Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur votre émission Cadeau de Noël. J'espère que vous profitez super bien de cette joie de l'octave de Noël. Vous êtes sur votre émission ici. Nous ne parlons plus du temps de l'Avent, mais nous parlons plus maintenant de Noël, de comment bien vivre cette octave de Noël. Et aujourd'hui, nous allons justement parler de comment faire pour prier, pour ressentir cette joie qui habitait le cœur de Marie. Comment briller de cette joie de Marie en ce temps de l'octave de Noël. Et pour en parler, je reçois le Père Jean-Joseph Ronsaello. Il est le recteur du sanctuaire marial Notre-Dame de la Divine Miséricorde d'Alada. Bonjour mon Père. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous aussi. Alors, dites mon Père, comment faire de façon pratique pour prier, pour resplendir de la joie de Marie durant cette octave de Noël? Oui, la joie de l'enfant Jésus doit déborder également dans nos cœurs, dans nos vies. Et c'est pour ça que nous ne devons pas fêter Noël dans les tralala, comme source de tralala ou de stress, mais plutôt la joie débordante de Marie. Vous savez, Marie a d'abord accueilli l'enfant Jésus spirituellement avant sa naissance. Ouais. Et l'un des actes que Marie a posé, et en tout premier lieu, c'est l'accueil, la visite à sa cousine Élisabeth. Donc, en fêtant Noël, nous devons apprendre de Marie à visiter les autres, à faire du bien aux autres, à offrir notre sourire aux autres, à collaborer à la joie des autres. Nous avons plusieurs choses que nous pouvons faire en imitant Marie pour donc bénéficier de la joie de l'enfant Jésus dans notre vie. Et donc, c'est cette même joie que les enfants de la diocèse de Cotonou continuent de vivre au Centre Marial d'Alada du 27 au 28 pour continuer à bénéficier de la joie de l'enfant Jésus. Alors, Père, si j'ai en face de moi une personne qui estime que, bon, Noël est passé, plus besoin d'être euphorique, plus besoin d'être joyeux, comment faire pour lui transmettre cette joie de Noël? Oui, comme nous l'avons déjà dit, c'est une vertu que nous devons pratiquer tout le temps. D'ailleurs, Noël, ce n'est pas Jésus qui renaît comme physiquement, il renaît spirituellement dans nos vies. Et donc, chaque jour doit être pour nous également Noël, la naissance de l'enfant Jésus. Et donc, quand un enfant naît, c'est une joie normalement dans la vie de non seulement de la maman ou des parents directs, mais de toute la famille. Donc, nous devons garder à cœur de transmettre tous les jours que Dieu fait la joie de la vie. Puisque déjà, l'archidiocèse nous fait célébrer la vie. Oui. Cette vie, elle doit être célébrée chaque jour que Dieu fait. Donc, nous n'avons pas le choix d'aller à l'école de Madre Teresa, d'offrir le sourire, la joie. La joie, la vie, c'est la joie. Alors, un conseil pratique pour tous ces adultes-là qui estiment que Noël, c'est pour les enfants. Ah non, Noël n'est pas seulement pour les enfants. Noël, c'est pour nous tous, c'est pour tout chrétien. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup à faire, puisque le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui cherche à nous priver Dieu, à priver Dieu non seulement de nos réalités, mais de la mémoire, de la pensée de l'homme. Donc nous devons garder à cœur cela. Dieu ne doit jamais manquer dans nos vies. Il doit renaître chaque fois. Et c'est un effort que nous devons tous faire. La sainteté n'est pas réservée, comme nous le savons, à un passé. C'est tout le présent. C'est aussi le futur. Et donc, nous ne pouvons pas nous rassurer d'avoir une grâce pour toute fois. Mais chaque fois, on renouvelle cela. Même si nous tombons par le péché, eh bien nous nous relevons à travers les sacrements, à travers la pratique des vertus. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, mon Père. Je vous en prie. Et voilà, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Cadeau de Noël. N'oubliez pas de diffuser la joie de Noël autour de vous. N'oubliez pas d'offrir votre sourire, d'offrir une poignée de main, d'offrir un cadeau, d'offrir votre aide à tous ceux que Dieu voudra bien mettre sur votre chemin durant cette octave de Noël, quitte à leur faire ressentir que l'enfant Jésus, il est véritablement là. Et s'ils ne l'ont pas encore accueilli, que grâce à vous qui suivez cette émission Cadeau de Noël, ils puissent le recevoir
dans leur cœur. Merci beaucoup à vous d'avoir été patient. Merci d'avoir gardé votre position d'écoute jusqu'à la fin. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.